Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bienvenue, vous êtes sur Iva Sound Studio, ici Jake, et on est très probablement sur la dernière soirée Ticket to Ride, nouveau plateau, United Kingdom, le Royaume-Uni, et toujours avec Endo. Endo, ça va? Hello tout le monde, oui ça va très bien, je suis gonflé à bloc. Ouais. J'ai prévenu. Ouais. Ok, donc map du Royaume-Uni, map particulière, on l'a gardée jusqu'à la fin parce que c'est du Ticket to Ride mais avec des nouveautés par rapport à tous les autres plateaux. C'est quelque chose, autant sur la Pennsylvanie où on avait des tickets d'action boursière, là on va devoir débloquer des technologies pour pouvoir avancer, sinon on ne pourra pas avancer. Ça m'a l'air bien compliqué. En vrai, c'est un coup de main à prendre mais après ça va. La room c'est la même que d'habitude, le mot de passe c'est le même que d'habitude. Et c'est en train de charger quand tu veux le jeu. Voilà. On est sur le normal, hein, pas sur le advanced tu m'as dit. On est sur le advanced, si si. Ah pardon, excusez-moi. Forcément, voilà. Avec la très célèbre tête de Benedict Cumberbatch. Ah oui, sur la boîte. Oui. Oui, 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 tout à fait. Référence à son rôle dans Sherlock Holmes. Alors si je lis pas les trucs, ça va être compliqué. Attends, parce que moi là, je suis encore sur l'accueil en fait. Ah, moi c'est lancé. Ah, le sifflet. Voilà, alors, voici la map. Nous sommes bien sur le Royaume-Uni, on a l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande. Alors, Irlande complète, on ne sépare pas Irlande du Nord et Irlande. Et un bout français, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Pour pouvoir poser des trains dans chaque pays, région, pays, je sais pas trop comment le prononcer là, on va devoir débloquer des technologies. Voilà, par exemple, c'est la première carte. Voilà, pour prendre les routes qui se trouvent ou qui mène en Irlande et en France, on doit payer une locomotive et donc acheter cette technologie là, c'est la première carte en haut à gauche. Ok. Sinon on ne peut pas. Ah, sachant que, comme certains plateaux de Ticket to Ride, une locomotive peut être remplacée par 4 cartes de couleur, peu importe lesquelles. Voilà, donc diverses technologies pour pouvoir se déplacer, de la technologie aussi pour prendre des grandes routes. 4, 5, 6, il nous faut de la technologie, sinon on ne peut pas poser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? On verra au fur et à mesure, sinon... Voilà, pareil, donc les pays, c'est par rapport à l'Écosse, Pays de Galles, on en a... Voilà. Voilà, une locomotive pour prendre les routes de 3 espaces. On paye 2 locomotives pour gagner un point supplémentaire. Chaque route que voilà. Alors boiling lagging, on paye 2 locomotives et ensuite chaque route supplémentaire nous donne un point supplémentaire chaque fois qu'on pose. Si en plus on prend une carte à ferry, une route à ferry, chaque ferry nous rapporte 3 points supplémentaires. Voilà. Mais pour pouvoir poser des ferries, il nous faut la carte Propellers qui coûte 2 locomotives. Donc voilà. Faire des combinaisons de la technologie et il y a des technologies particulières, par exemple Equalizing Beam qui coûte 2 locomotives mais qui tout double, c'est à dire que si on l'achète il faut qu'à la fin de la partie on ait la route la plus longue pour gagner 15 points, si on ne l'a pas on perd 15 points. Oh. Donc c'est une technologie qui tout double. Pareil pour la Risking Contracts, là c'est 20 points. Mais ça dépend du nombre de cartes de destination. Ah dis donc, il y a beaucoup de trucs intéressants. Ouais. Là on part vraiment sur un jeu de type stratégie quoi. Exactement, c'est tout à fait. Wow. La technologie Water Tenders qui coûte 2 locaux, qui nous permet de piocher 3 cartes wagons au lieu de 2. Voilà. Il y a une technologie intéressante, mais que je trouve très difficile à utiliser, c'est la Right of Way, qui coûte 4 locomotives, ou 16 cartes couleurs, bonjour le prix,
Vous pouvez acheter cette carte pour vous emparer immédiatement d'une route sur laquelle un autre joueur a posé ses propres wagons. Oh. Donc on s'empare de sa propre route. Trop bien. Voilà. Mais elle coûte très très cher. C'est laquelle tu m'as dit ? C'est celle avec le panneau, c'est la 9e. Non, 10, attends, 8, 9, 10, 11, la 11e. Au milieu. Right of Way. Ah, Right of Way, ok. Voilà. Ok. 4 locomotives, effectivement, elle coûte cher. Ouais. Alors maintenant, voyons mes petites routes. Si j'ai pas regardé mes missions. Moi non plus. Je vais pas jouer Fifou. Je vais choisir 3 missions pour le moment. Eh bien, je te suis. Et tu commences. Du coup, la stratégie, ça serait quoi? Ça serait de d'abord, il faut absolument débloquer la technologie d'abord, du coup. C'est un peu technologie placée, un peu technologie placée, etc. Alors, moi, je voudrais acheter... Non, c'est pas celui-là. C'est laquelle que j'ai besoin. Et du coup, est-ce qu'on peut tous prendre la technologie ou par exemple, si t'en prends une, moi, je peux plus la prendre? Alors. Tu vois, il est marqué 4 sur 4. Ah, d'accord. Voilà, ça veut dire que si moi j'en achète une, toi tu peux en acheter une. À deux joueurs, ça va. Par contre, quand on est vraiment à plus vraiment nombreux, il y a des gens qui vont être pénalisés dans les technologies. Donc là, par exemple, celle où on va se gêner, ça va être Right of Way, Thermocompresseur, Equalizing Beam. Pas forcément, parce qu'il y a des cartes comme Right of Way qui est remise à disposition des autres joueurs. Ah. Ok. Voilà. C'est ça là, moi, qu'il faut que j'achète. Voilà. Sachant que dans notre tour, il faut vraiment, si on veut acheter des technologies, il faut d'abord acheter la technologie, parce que sinon on peut se faire avoir. Et ensuite, j'achète la technologie, je pioche des cartes. Ou alors, j'achète la technologie, je pose mes wagons. Mais si on fait l'action de piocher les cartes ou de poser sur le plateau, le tour se termine en fait. Mmh. Donc faut faire attention à ça. Donc là, j'ai choisi une technologie. J'ai pas grand chose à poser en vrai, donc je vais piocher. Ah. Rue de choix, voilà. Ok, donc du coup... Et une information supplémentaire, parce que je suis quand même très fair play. La route Southampton-New York, New York qui est au Royaume-Uni bien sûr. Bien sûr. C'est la grande route en bas à gauche, très grande route, qui vaut 40 points quand on la pose. 10 wagons. Ouais. Cette route, normalement, si je me souviens bien, n'a pas besoin de technologie. Donc premier à poser, premier à 40 points. Et je, pour l'instant, du peu que j'ai joué sur ce plateau, à chaque fois que quelqu'un avait la route à 40 points, c'est bon, la personne avait gagné. Ok. C'est bon à savoir, ça dit donc. Il y a quand même, comme tu as dit, 3... 6... Et on en a que 35 par contre. Ouais, il n'y a pas beaucoup de wagons. Ouais. Ah oui, ça fait presque un tiers quoi. Ouais. Là, par exemple, je me suis fait avoir parce que j'aurais dû acheter une technologie, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, sur moi aussi. Oui, sinon ça va être chiant. Alors par contre, du coup, on peut circuler librement de base en Angleterre. Ouais. Ok. Voilà, donc là, j'ai acheté une technologie qui me permet de poser sur les 3 espaces. Au départ, on peut poser que sur les 1 et les 2. Après, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de petites routes quand ouais, même. Ouais, ouais, ouais.
Oh là là. Obligé de piocher. Va falloir s'organiser le cerveau là parce que. Ouais. Voilà. Comme ça au moins, maintenant je peux poser presque où je veux. Donc tu pioches un peu plus. Ok. Ah oui, d'accord, il faut absolument piocher que dans la pioche. Pas de soucis, on va faire ça. Pourquoi je peux pas ici? Alors attends. Ah, il me manque une technologie. C'est laquelle? Ah! Ah, d'accord! C'est une technologie pour ça aussi. C'est pas drôle. Maintenant, je peux prendre les ferries. Ok. Compris là. Mmh. Pourquoi ça veut pas? Quatre cartes quelconques peuvent remplacer une locomotive. Oui, n'importe quelle carte couleur, à partir du moment où t'en mets 4, ça peut remplacer une locomotive. Y compris pour acheter des technologies. Mais y compris aussi pour placer n'importe quoi. Par exemple, j'ai pas compris, mais en fait c'est bien. Non. Je peux. Pour placer un trajet de 3 oranges, tu peux mettre 2 oranges et plus 4 cartes de n'importe quelle couleur. Voilà. Oui, ok, donc j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Ah, je m'en sors bien.
pardon, j'ai sacrifié 8 cartes. Oh. Ouais. Ouais, il fallait 2 locomotives, c'est ça? Ouais. Ah oui. Oh là là. J'ai plus de cartes couleur. Ça coûte cher. Ah ouais. Ah pardon. Et tu choisis autre pioche quand même. Oui oui, je l'avais oublié. Tac. C'est laquelle? C'est pas celle-là. Je regarde ce qu'il y a un peu. Oui, vas-y, vas-y. Moi, je fais pareil. Oh punaise! Désolé! Eh ben tant pis. Et je me demande, est-ce qu'il fallait vraiment que je prenne le 4-5-6 pour le mettre? Cette route-là? Non. Ah non, tu m'as dit tout à l'heure, en plus tu m'as dit au début qu'il n'y avait pas besoin de technologie pour la prendre. Ouais, cette route-là, normalement, il n'y a pas besoin de technologie pour la prendre. Ah zut, je me suis. Pas, tu peux. Au moins, tu l'as pour d'autres grandes routes, hein. C'est vrai. Quand même une différence de points quoi, 40 points.
Ah, et là c'est grisé. T'as acheté les deux du bas là? Le Equalizing Beam et Risky Contract? Non. Parce qu'il est marqué trop tard, cette technologie n'est plus disponible. J'ai pris Water Tenders, moi. Et tu m'as dit lequel? Sur la ligne du bas, la dernière ligne, c'est vraiment les deux premières cartes. Non, j'ai pas. D'accord, parce que je les ai pas non plus, c'est grisé, on peut plus les prendre. Donc je pense qu'au bout d'un certain tour, ça doit être ça, on peut plus les prendre. Ah, peut-être. Oh mince. Ouais. Ouais. Ah, il te reste 6 wagons. Oui, bah oui, du coup, j'en ai posé 10 d'un coup. Bah ouais. Bah écoute, hein, on tente. Hein. Non. Non. Peut-être. 6 wagons. Ah, je vais pas jouer fifou. Le dernier tour se lance quand on n'a plus que deux, hein, c'est ça? Oui. C'est deux ou trois? Non, c'est deux. Trois au moins. Moins de trois. Ouais, c'est ça, deux. Ouais, non, ça c'est pas possible, c'est tendu ça. Ça change rien, t'auras quand même la route la plus longue. T'es un petit peu embêté avec mon Plymouth Pensense. Ton Entre Pensense et Plymouth, à gauche. Oui et non, j'avais pas forcément besoin d'aller par là, mais pour moi, un trajet plus long, oui, tu m'embêtes un peu. Ouais. Ah, mais j'avais pas vu. Un autre. Attends, je comprends pas. Pourquoi je peux pas faire ça? C'est con. Quoi? Ben non. C'est de l'arnaque. Oh merde. Oh, je l'ai dit. Oh là là. C'est... Oh punaise, c'est de l'arnaque. Ton Plymouth Penzance là. Oui. Tu vois juste en dessous, il y a un trajet de 3. Oui. Eh ben c'est considéré comme la route double de là où tu es déjà en 2. Ah, c'est qu'elle n'est pas lignée. Putain, il y en a 3. Alors que l'autre, il y en a 2. Bah ouais, mais je peux pas poser. C'est nul. Nul sur 20. Ok. Ah, sinon tu me serais retrouvé bloqué. Tac. Scotland. Allez, dernier tour. Allez. Bon. Où est-ce que je peux poser pour faire un peu de points quand même? Il y a 30 points d'écart. Oui.
1, 2, 3, 4, 5. Ça, je peux faire ça? Il me faut Wallace concession. Mince. Wallace. Oui. Wallace et Gromit. C'est où la Wallace? C'est ça. La troisième ou la première? La troisième. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Et B. Pourquoi ça veut pas? Ah, c'est une loco obligatoire. Où ça? Bah non, alors attends. C'est 1, 2, 3. Oh punaise, ça veut dire que je dois jouer 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, l'arnaque. Parce que j'ai plus de loco en fait, c'est pour ça. Quel dommage. Du coup, donc, il faut 4 cartes en plus. Donc je vais jouer ça. Ça sert à rien, mais je trouvais ça joli. Si tu le dis. Alors, où est-ce que je vais me mettre? Allez, pouf. Tout ça pour ça. Eh bien, ah, j'ai... Après, un objectif de plus que moi. Rien. T'arrivais égalité alors que moi j'ai même pas encore compris mon objectif. Ouf. Ah, sur la dernière carte, ce que t'as mis. C'est que j'ai pioché en dernier en plus. Eh bien, le GG. Allez. Ne casse pas tout. C'est mon téléphone. Bon, il passe après mon téléphone, tu sais. Hop là, alors, c'est reparti. C'est reparti. Bon, c'est sympa comme... Oui. Comme gameplay, quoi. Ça change. C'est vrai. Alors. On prend tout. Encore? J'ai pas tout pris au début, hein. J'ai pris que 3. Mais là, c'est que des trajets qui sont très très proches, donc oui, on va tout prendre. Ça m'inquiète un peu. Bah, du coup, c'est des trajets très proches, mais qui valent pas beaucoup de points. Ok. Je viens de penser à un truc. Est-ce que. C'est obligatoire dès le début d'avoir à chaque fois deux locomotives. En main? Oui. On a eu deux locos tout à l'heure? Moi j'ai eu deux locos tout à l'heure, et là j'en ai encore deux. Je dois reconnaître que là dans ma main j'ai deux locos, mais je t'avoue que j'ai pas fait gaffe sur la première partie si j'en avais deux. Je pense que c'est obligatoire, sinon tu peux pas vraiment démarrer en fait, c'est un peu compliqué. Bah donc, après ouais, c'est un coup de chance de la pioche, donc ouais, à voir, à vérifier sur la prochaine. Et ben, c'est parti. Voyageons en Irlande. D'accord. Eh bien, moi, je vais en Écosse. Tu vas en Écosse? Eh ben, ça alors, moi aussi. T'as dit que tous tes trajets étaient à côté, mais là tu fais quand même deux régions différentes. Oh, plus que ça mon ami, plus que ça. Oh là, d'accord. Mes trajets sont à côté, mais par contre ils sont sur tout le plateau. Alors... Ah. Eh bien faut piocher. Et si j'allais au Pays de Galles, tiens. J'étais pas très bon en géographie du Royaume-Uni, je suis en train de m'apercevoir où sont Manchester et Liverpool. Ah oui, c'est plutôt au nord de l'Angleterre en fait. Ah ouais.
Bon, Dublin, Belfast, ça je sais à peu près où le placer. Limerick, dans les lacs du Connemara. Bon, Londres, ça c'est quand même. Oui, ça va, Londres, je pense que. Southampton, c'est connu aussi. Plymouth aussi, et Bristol aussi. Bristol, ouais, je me serais un peu planté, mais je l'aurais mis grandement dans la zone là-bas. Ok. Pour Newcastle, j'aurais placé Edinburgh aussi. Par contre, Stornoway, là, la ville des Vikings, sûrement. Là, je sais même pas. Je suis tiraillé de doute. Uh-huh. Allez, on va prendre ça et on rend du rouge encore, c'est bien le rouge. Peut-être pas bien réfléchi quand j'ai fait mes missions en fait. Oh la galère. Ah, doublement la galère. Merci. Allez, le ferry. Eh oui. C'est à moi de jouer, pardon. Oui. Puis, ok.
Oui, j'ai pris mon truc, mais j'ai pas joué après. Je peux pas avancer, j'ai pas de locaux, quoi. J'avoue que c'est compliqué. Voilà. Mais mes locaux. Oh, une loco. Oh, sérieux. Tiens, des ferries. Oh mais quel idiot. Alors, c'est laquelle? Voilà. On va pouvoir piocher un peu plus. Oh là là, ça y est, c'est la fin. Ah mince, c'est vrai. Oh punaise. Bah oui, bah merci de m'y faire penser, oui, parce que je vois, oui, bah oui. Ah, t'avais pas les trois cases? Bah non. Vous posez trois cases, il m'a fait non, tu ne peux pas. Ça ne fonctionne pas ainsi. Faut payer d'abord. Et tu payes cher. Ouais, je paye cher, oui. Mais j'ai pas de locaux. Vas-y, poste tes 40 points. Non, je les ai pas encore. Je suis loin, très loin. Voilà. Bon, par contre, j'ai payé beaucoup plus que prévu. Ouais, j'ai plus contre, de mets, couleurs, j'ai plus tu rien. Mets 30, tu vois, tu mets 32 par contre. Ouais. Mais j'ai payé 12 cartes en plus, quoi. Oui, ça fait cher. Ouais. T'en as plus que 3. Ah ouais, c'est bon pour moi, ça.
À moi, punaise. Oui, c'est à toi. Je suis à l'ouest. Bah, à l'ouest, c'est l'Irlande. C'est vrai que je suis un petit peu à l'ouest aussi, un petit peu. Ah bah voilà. Voilà. Oula. Oh. On tente le coup. Allez. Ouais, ouais, tu l'as déjà. Pour l'instant. Et ton oui, 10 mais... déjà là, ton 10 fait. Dès que tu colles très proche de moi. Hein. Faut piocher ou poser. Faut piocher ou pioser. Genre je pose alors. Faut pocher ou pioser aussi. Pioser, ouais. Tu sais, je pensais pas que t'allais prendre ce côté. En vrai, j'ai plus de couleur, je suis obligé de... piocher. Ouais. C'est à toi. C'est à moi. Eh ben tant pis. Qu'est-ce que je rattrape ta route là? On essaie de compenser avec les cartes objectifs. On va voir. Hein. De toute façon, le bonus objectif, je peux plus prendre. Ouais. Je pense que quand il reste un certain nombre de locomotives qu'il le retire. Ça doit être ça, ouais. Oula, qu'est-ce que c'est? Hein? D'accord. Que vas-tu faire, piocher ou poser? Poser, bien sûr. Oh là là. Ah ben, joli bonus de 15 points. C'est impossible, impossible. Dernier tour. Oh punaise, il m'aurait manqué un tour. J'ai juste un moins 3 points ça. Oh, ambitieux. Grosse erreur. Ah. Ah oh, punaise, je suis dégoûté, il me manque rien. Il me manque un wagon. Sérieux? Ouais, moi je vais prendre ce qui coûte le moins cher, c'est pas grave. Je perdrais 5 points. Tu perds 5 points? Ouais, je perds 5 ouais. points. Ouais, je perds 3 points là. Il me manquait un wagon à poser.
quand même fait ses objectifs. Moi j'ai fait que des mini objectifs, tu vas voir, c'est 2, des 4. Bah t'as quand même ton bonus plus 15 après. Hein. Plus 10 du coup. Ouais. Pour tirer 5. Allez, allez. Pousse. Ah, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ah, il manque quand même 9 points. 11 points, 11. Ah, j'y croyais pas, en vrai. En vrai, même si j'avais pas pris ma carte objectif, ça m'aurait fait du coup plus 5 points. Ça m'a fait grand chose. C'est 79, donc... Ah, c'était serré, hein. Bon, bien, même encore, je l'aurais réussi, cet objectif. Ça aurait fait 84, donc... C'était serré. En vrai, on peut dépasser le... Si quelqu'un prend les 40 points, ça peut être dépassé. Eh ben, pas loin. J'étais presque. Alors, réflexionnons un peu. Ouh, bah là, on va pas tout prendre, par contre. Hein. On va faire des choix. De là, on va les virer. Pas mal. Ah, effectivement, là, tu vois, j'ai qu'une seule locomotive. Ah, pareil. Je réfléchis encore. Allez, je tente comme ça. Je suis pas sûr de moi. On va voir. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par aller voyager en Écosse. Alors... Donc l'Irlande pour toi. On va voir. Parce que Londres est en Irlande, bien sûr. Bien évidemment. Ah, ça ferait plaisir aux Irlandais. Tu penses? Ah, s'ils pouvaient tout avoir, je pense. Moi, je pense pas qu'ils aient d'intention. Colonialiste comme ça, juste. Non, je pense pas non plus, non. Il y a juste beaucoup d'Irlandais qui aimeraient bien avoir toute l'Irlande rien que pour eux. On va prendre ça, on laisse pas traîner. Faudrait pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Oui, bien sûr. Je ne me sens pas concerné. Tu vas en Écosse, là où je suis déjà. Bah, moi, tu vois, je vais aller en Irlande. Ah, c'est pas encore à moi de jouer. Attends. Ah mince. OK. Merci.
C'est ça. Appelez comme ça, on va pouvoir piocher beaucoup. J'aime bien beaucoup déjà. Piocher. Ah, j'adore piocher beaucoup. Oh là là. C'est mon pratique. Mais comment tu fais pour avoir autant de locomotives? La chance. Ou alors je sais pas, j'ai un doigté spécial sur les cartes du talon. On en avait déjà discuté, mais je me souviens plus de ta réponse. En termes de plateau physique du jeu de société, tu as déjà, toi, les aventuriers du rail ou pas? Du tout. Du tout, du tout. Né. 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 Je vais l'équiper de ni. Pardon. Mon petit piton. Ouais, j'ai essayé de... Ah non, je pensais plus au... C'est quoi, c'est... Le cœur a ses raisons. Né. Né. Ah. Cricket. Adorable cricket. Et non, mais toi, j'essaie de faire jouer Johanna Cricket to Ride sur le PC. Mm-hmm. J'aime pas trop, mais je pense qu'il adorerait la version physique. D'accord. Alors. Toujours pas la couleur que je veux, hein. Malgré tout, je suis obligé de coucher 3 cartes. Bon, on a une locomotive, c'est pas mal. Ouais, bah oui, t'as des locomotives, oui, oui, pas moi. Ah bah enfin. Mais ça coûte trop cher, ça. Allez, la loco. Allez, ça pose. Ça t'es largement en avance sur moi. Y'a pas beaucoup de points d'écart quand même. Hein. Je vais prendre ça au cas où. Je vais là où le vent me porte. Oh, une loco. Oh, deux locos. Non, mais ça... Non, mais c'est pas... Sérieusement, quoi. Oui, sérieusement. Et en plus, il dit oui sérieusement d'une manière très sérieuse, mais quel troll. Pourquoi je peux pas poser ici? Ah, je l'ai pas encore. Ah. On achète alors. Les ferries. Piquant. Quand vous voulez, les locaux. Oh, les locaux. Les ferries. Mince, attends. J'ai mal calculé là. Faut y aller.
Ouh, et donc. Je suis pas confiant, en vrai. Oh. Je trouve pas que je te contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 16, ouf, 19 à 16. On veut prendre ça. Punaise! Punaise, mon plan secret! Si secret, bah oui. Ah là là. Tu voulais poser à la fin pour faire un trajet beaucoup plus long d'un coup? Bah ouais. Ah non. Par contre, t'auras pas le trajet plus long. Non, ça sera 15 points en moins. Enfin, d'écart entre nous, du coup. Ouais. Même si je voulais raccorder les deux, il me faudrait 10 wagons. Donc, fichu quoi qu'il arrive. On va piocher pour l'instant. Vous avez cassé un truc ? Non. À tes souhaits. Et tout c'est. Mais je transmets. À tes souhaits. Quoi? Super A-Team Symboler? Hein? Oh punaise. T'as pas trop proposé les 4, 5, 6? Ouais. Ah, c'est ballot. T'as vu, ça dépend pas au final des cartes bonus du nombre de wagons, c'est bizarre. Comment ça? Bah là, regarde, si je veux, j'achète. Bah, je vais l'acheter d'ailleurs. Le Risky Contract. Ah oui. Attends, avant d'acheter, je veux bien lire. Tu ferais bien parce que, effectivement, t'as plus d'objectifs que moi. Cette carte doit être achetée avant. Ah, ça a effacé. Avant. L'épuisement de la pioche des cartes wagons. Oh! Ah! D'accord.
Ah bah il en reste pas beaucoup en plus. Bah oui, j'achète. C'est bien, je pense. Et un petit 2 quelque part. Un petit 2, un petit 2, je sais pas. Dernier tour, t'as dit. Petit 2, il n'y a pas de choses spécifiques. Je peux pas allonger un trajet là. Et non. Je peux pas allonger. Dover France à la rigueur, mais je crois pas que t'es le. Non, je fais une route parallèle, voilà. 2 points. J'ai menti, ça passait en fait, je pouvais rejoindre les deux. Mais quel. Mais c'est. Mais en vrai, quand je te l'ai dit, je pensais vraiment que je pouvais pas. Quand j'ai recompté la page, j'ai fait ah, mais il y a un trajet plus court. Oui, oui, bien sûr. Ah, oh, le 10 qui fait mal. Ouais. Je... Ça, tu gagnes. Plus 20 quand même. Mais. Ah bah, GG là. Oh, c'est moi ? Ah non, ah, non j'ai eu peur. Non, peut-être pas. Au revoir. Ah, c'est moi qui paye. Ah non, oui, c'est... j'avais la carte. Oui, c'est moi qui avais la carte. C'est vrai. Comme... Et en vrai, si je l'avais pas fait, t'aurais gagné. Ouais. Et 2-1. Allez, on retourne au menu en espérant que le bruit du train cesse. Je vais réparer ça de suite dans les réglages. C'est bon. Ah. Alors. Ah bah, une loco aussi, tiens. J'en ai pris 3, on va voir. Allez. Ça en piège beaucoup. Non, non mais... Chut. Direct comme ça? Oui. Voilà. Je me ferai pas avoir. Oh Peter va. Arrête de me copiter. Je te copie presque pas.
là je pioche, mais bon, y a rien qui vient. On veut prendre le bateau. C'est pas intelligent ça en fait. Piochage, posage. Pardon. Piochage. À toi. À toi. À toi. Le petit 10 là.
Oh là là. Ah, il est parti, ça y est. Là, et on ne l'arrête plus. Ouais. Donc tu ne pars pas sur la route à 40 points. Je ne pense pas, non. Ça va être compliqué. Sérieusement? Oh bah ça va. Bon bah il y a un truc, c'est ridicule, franchement. 2 points, c'est ça? Hein, pardon? T'as fait un 2 points, c'est ça? Non, c'est 3 points, mais... Je pose un wagon, c'est bon. Ah, pop. Mais non, je me suis trompé. Mais je me suis trompé. Quel dommage. Ah, on peut plus. Et là, de nouveau, on peut plus prendre les cartes bonus. Bah, je comprends pas. Il reste des choses dans la pioche quand même. La prise avec le risk contract. Non? Non. Ah mince. Allez. Je vais m'offrir 3 points. Attention, ça va aller très vite. Hein. T'es prêt? Oui. Voilà, ça me fait 3 points. Waouh. Non mais sérieusement. Eh ben on ne crache pas sur 3 points. Bon. Les mots me manquent pour dire à quel point je te déteste. Ah, je sens ta haine. Un petit peu, oui. Ah, ça picouille. 4, 5, 6, 7. Ah, ça passe pas. Non, c'est pas grave. Oh, attends. C'est pas ça. Oh, j'ai envie de tester après.
Ah mais ça coûte hyper cher. Oh la vache! Oh non! Oh non, Jack! Pas ça! Allô! Est-ce que ça t'annule tes objectifs ou pas? Bah, pourquoi je vois toujours vert moi par contre? Je vois toujours ta couleur aussi. Est-ce que ça remplace ou est-ce que ça permet juste de mettre auto aussi dessus? Bah, pour le coup, je sais pas. Pour vous emparer immédiatement d'une route sur laquelle un autre a déjà posé sa wagon, vous devez tout de même. Emparer, normalement, c'est prendre. Bah ouais. On verra bien. Par contre, quand je passe la souris sur la carte technologie en haut, là, vraiment, je passe juste dessus, bah, je vois ma couleur. Ok, c'est chelou. Bah ouais. Viens voir. Et je sais même pas si j'ai marqué les points, en fait. Ah, c'est assez jaune, moi, ça y est. Oui, c'est bon, c'est repassé de ma couleur. Mais oh, est-ce que ça t'a annulé tes objectifs? J'en avais aucun. De réaliser? Non, mais ça ne empêche aucun objectif. Ça, d'accord, ça te les annule pas, d'accord. Non, mais il n'y avait aucun objectif là-dessus, en fait. Ah. Forcément, c'est, je peux pas savoir, en fait. Ah, punaise, ben, c'est ça, j'aurais voulu savoir, tu vois. Mais non. C'est cruel ce que tu as fait. Je sais. Tu sais que de base, je me suis dit, il y a ça qui est intéressant. Si jamais il prend toutes les 40 points, je reprends tout à la fin. Ah, ben là, je revois ta couleur dessus. Et oui, moi aussi. Parce que c'est mon tour en fait, c'est pour ça. Bah ouais. Je sais pas si ça a emparé du coup. Bah, j'ai un gros doute. Ça ira bien. Dernier tour, parfait. Allez, ton petit truc là, Dublin, Dundalk, ça aura pas suffi. Dublin, Dundalk. Mon petit truc là, de côté pour me bloquer. Ah oui, le. Ça fait le tour quand même. Je vais essayer de faire le tour. J'ai plus de wagon, mais. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner du coup. Pareil. Et s'il y a écrit emparé, normalement j'ai perdu. Ouais, je vois ça encore jaune. Alors je rappelle, on voit pas les mêmes couleurs hein, sur les plateaux. En dos il se voit en jaune et je le vois en violet. Et pour moi je me vois en bleu et toi tu me vois en vert, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Moi je suis vert, toi t'es jaune. Ok. Moi là je me suis bleu et toi t'es violet. Aïe aïe aïe. Suspect est à son comble. Je pense que non. Je crois que tu me l'as pris. Ouais, tu me l'as pris. Punaise. Oh punaise. Ah la vache. Intéressant cette carte. Mais j'aurais voulu savoir pour les objectifs, tant pis. 2-2 du coup. 2-2. C'est serré cette dernière partie. Ouais, attends, ça charge, j'ai besoin du petit screen. Vas-y, mais vas-y, là, vas-y. Ça charge. C'est reparti. Allez. Alors. Qu'avons-nous? Ça oui. Et ça oui. On va voir. J'ai cru que j'en ai pris 5, mais non, j'en ai bien pris 4.
Parfait. Alors, on va commencer. Alors, où est-ce qu'on doit aller? On doit aller en Écosse. Ah. Ah. Ouais, j'avais pas beaucoup aimé ce A. Ah. J'aurais pas dû faire ça en fait, j'aurais dû partir sur autre chose. Toutes les couleurs que je veux, pas en fait. Vraiment les couleurs que je veux, ah quand même. La deuxième, ah ben voilà. C'est laquelle? C'est pour piocher? Ouais. Dernière ligne, troisième. Water Thunders. Dernière ligne, troisième. Ouais, merci. Oh, déjà?
Oui. Quand vous voulez les locomotives. Tu veux, j'en ai 5. T'es sérieux? Oui. Punaise, mais... Il remet les locaux dans la pioche, oui. On va leur prendre une. Voilà. Oui, bah oui, bien sûr. Ah oui. Allez! Oh, punaise! Ouais, je t'ai vu partir en France, je me suis dit, bon, il veut pas aller traverser l'Atlantique. Non, c'est trop long l'Atlantique, ça m'intéresse pas.
Ah pardon. À toi de jouer, oui. Qu'est-ce que... Non. Pas pouvoir prendre la grande. Tu vas prendre la 40 points? Non, je peux pas la 40 points. Ah. C'est pas ce qu'il faut. C'est vrai que 40 points à voler, ça doit être intéressant. On va prendre ça et on va bien voir si ça t'embête. Ah. Alors, voyons voir. Ça me fait quand même l'objectif. Punaise. Oh, j'ai perdu. C'est beaucoup d'objectifs, mais à mon avis, ça va pas aller loin. Le petit 3. Et il compte. Il compte, il compte. Ça ne va pas suffire. Plus 20 du coup. Ah, t'avais pas mal d'objectifs en France quand même. 2. Ah, bien joué. Ça sera encore une fois toi là pour la victoire. Eh bien, le GG. Ah, mais si j'avais pu prendre le 40 points là. Ah, bah, pas de screen. Pas de screen non plus ? Et non. Ben voilà, Ticket to Ride, c'est fini. Jusqu'à peut-être un jour, possiblement, d'autres plateaux, parce qu'en physique, il en existe énormément. On voit qu'il y a des mini patchs de correctifs de temps en temps chaque semaine, mais pas de nouveaux plateaux depuis des années. Donc, Days of Wonder, faites quelque chose. On veut d'autres plateaux. C'était vraiment super ces petits défis depuis plusieurs mois là avec toi. J'ai beaucoup apprécié. Ça nous a permis de voyager un petit peu, d'avoir plein de plateaux différents, des stratégies différentes. Et je dois reconnaître que ça fait partie de mes jeux de société préférés. Et ça, j'insiste dessus. Donc les gens allaient découvrir ça. Donc voilà. J'avais quelque chose à te dire de plus. Oui. Il y avait pas, c'était une fausse compétition entre nous, évidemment, hein, mais bien sûr. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais parce que ça me tient à cœur, et ça fait depuis déjà des mois que je me l'étais dit, que c'était une petite surprise, mais tu vas recevoir chez toi une boîte physique Les Aventuriers du Rail, parce que ça me fait plaisir. Oh, voilà. Trop bien, c'est pas la trop soja, gentil c'est moi. Trop mais bien. Voilà, c'est un jeu que je sais que tu apprécies, je l'apprécie aussi également. Donc voilà, je ne sais pas encore quel plateau, je vois ça cette semaine, mais voilà. Ça me fait plaisir. Super gentil, ça me touche, je suis trop content. Ben voilà. Super. Ouais, ça me touche que super. Ça touche, donc c'est le principal. Voilà. Les gens, on se retrouve tôt demain matin pour la suite de Kirby Star Allies. Voilà. Il y aura du Borderlands, je crois, demain soir. Le suite du programme, checkez les réseaux, venez sur Discord, YouTube, venez sur Twitch, venez sur YouTube. Passez une agréable fin de soirée. On se retrouve très prochainement et aussi avec un dos sur d'autres choses. À très vite, cordialement. À tes Désolé. Il m'a fait peur. À tes souhaits. Merci. Cordialement, bisous. Salut.